pour les Macron, l'heure est aux vacances. Selon les informations de France Bleu Provence, le couple présidentiel est arrivé en toute discrétion ce 29 juillet au fort de Brégançon. Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus hier en avion. Après une arrivée aux alentours de 18h, ils ont été escortés jusqu'à leur lieu de villégiature. Cette célèbre demeure située en haut d'un piton rocheux, au bord de la Méditerranée. Les Macron devraient y passer 3 semaines. Le président et son épouse sont désormais des habitués du fort où ils ont déjà passé plusieurs séjours. Maintenant maître des lieux, ils devraient s'assurer des vacances loin des caméras. Le programme estival de la première dame devrait se composer de balades et de sorties culturelles dans l'arrière-pays. Évidemment, l'Élysée a rappelé le caractère privé de ses vacances pendant lesquelles Brigitte Macron devrait aussi retrouver ses enfants et ses petits-enfants. Pendant ce temps, le président devrait mener des vacances calmes et studieuses, durant lesquelles il ne manquera pas de suivre les dossiers d'actualité et rester attentif à l'évolution de la situation sanitaire.